Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour une vidéo sur la notion d'espèce vue en cycle 3. Pour clarifier cette notion, nous allons utiliser un exemple, celui de l'espèce cheval. L'étalon et la jument vont se reproduire et donner un poulain ou une pouliche selon le sexe du descendant. En grandissant, le poulain va devenir un étalon qui sera capable de se reproduire et la pouliche va quant à elle devenir une jument capable elle aussi de se reproduire à son tour. Dans ce cas, nous voyons que les descendants sont capables de se reproduire. On va donc pouvoir inclure une notion de lignée. Si on représente sous la forme d'un schéma, chaque individu va être représenté par un point. Ces individus de cette première génération vont pouvoir se reproduire et donner des descendants au cours du temps. Ces descendants de la génération numéro 2 vont eux aussi pouvoir se reproduire et donner des descendants. On peut donc représenter la reproduction et la descendance des autres générations qui se succèdent au cours du temps. Le temps nous permet donc de montrer l'idée de lignée pour une espèce. Une espèce est donc un ensemble d'individus capable de se reproduire entre eux et de donner une descendance fertile, c'est-à-dire capable de se reproduire à son tour. Un exemple de descendance commune avec deux espèces. On va reprendre notre exemple du cheval et l'exemple de l'espèce âne. L'âne et l'ânesse vont se reproduire et donner un ânon, mâle ou femelle, qui pourra lui aussi, une fois adulte, se reproduire à son tour. Parfois, il arrive que la jument et l'âne se reproduisent entre eux. On obtient une mule ou un mulet. Si on essaie de faire reproduire ce descendant avec un animal de l'espèce cheval ou de l'espèce âne, cela ne fonctionne pas. De même, si on essaye de faire reproduire un mulet et une mule, on n'y arrive pas. L'étalon peut aussi se reproduire avec l'ânesse. On obtient un bardeau, mâle ou femelle. Ce descendant ne pourra pas non plus se reproduire avec l'espèce cheval, ni avec l'espèce âne, et entre eux, la reproduction est aussi impossible. On dit que le mulet, la mule et le bardeau sont des individus hybrides. Ils n'appartiennent ni à l'espèce âne, ni à l'espèce cheval. De plus, ces individus sont stériles, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se reproduire. Si on reprend le schéma avec les lignées, nous avons une lignée pour l'espèce cheval, ici la notion de lignée avec l'espèce âne. Il arrive parfois qu'un individu de l'espèce cheval se reproduise avec un individu de l'espèce âne. On obtient un hybride stérile. Un hybride est donc un individu issu du croisement de deux individus de deux espèces différentes. Et il est stérile, c'est-à-dire qu'il ne peut pas se reproduire. Quelle est la différence entre race et espèce? Le mot race est utilisé uniquement pour les animaux domestiques. À l'intérieur d'une espèce domestique, il y a différentes races. Si on prend l'exemple de l'espèce chien, on a plusieurs races, par exemple la race Golden Retriever et la race Caniche. Ces deux races peuvent se reproduire ensemble, on va obtenir une race mixte, un Golden Doodle. Le Golden Doodle va pouvoir lui aussi se reproduire car il s'agit de la même espèce, l'espèce chien. Quelle est la différence entre famille et espèce? La famille aux sciences scientifiques est un regroupement de plusieurs espèces. Si on prend l'exemple des félins, cette famille va regrouper différentes espèces. Par exemple, l'espèce caracal, l'espèce lynx européen, l'espèce chat domestique, l'espèce tigre du Bengale et bien d'autres. La famille au sens courant est un groupe de personnes ayant des liens de parenté. Pour montrer ces liens de parenté, on réalise souvent un arbre généalogique avec les grands-parents qui ont donné des parents qui vont donner à leur tour des enfants.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé à clarifier cette notion d'espèce. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo ou pour un nouveau cours.